Alors on entend à peine, mais là c'est Ludovic qui est en train de donner des infos de la route. C'est super ce qu'il fait parce que déjà ça permet aux écouteurs, ou ceux qui restent qu'en écoute uniquement, d'avoir les infos de la route. Et aux autres comme moi de prendre le micro. Pas mal de boutons là, il y a bien avant les 73-51, Ludovic, merci pour ces infos de la route. Je vois que c'est un petit peu le caca ce matin, moi. Ce matin, c'est costaud. Il y a du monde, viens le voir un panneau qui m'a vachement perturbé. Apparemment, les motos sont interdites en intercile entre les. À partir du 1er février, viens de voir ça là. À partir d'aujourd'hui, dis donc. Justement, j'allais te faire la blague, et c'est quand le 1er février? Ouais, j'ai vu ça, parce que bon, j'ai un groupe moto aussi là sur Facebook. Et justement, on en a discuté de ça. Mais là où les gens ont un petit peu de mal à saisir, c'est que là, c'était qu'une phase de test. Voilà. Donc, il n'y avait aucune autorisation, quoi que ce soit. C'était une simple phase de test qui prend fin maintenant. Hein. Donc, la tolérance qu'il y a eu n'était qu'une tolérance. Puis, comme tu le sais, hein, une tolérance, c'est pas un acquis, c'est pas un interdit, c'était juste une tolérance en phase de test et rien de plus. Hein. Ah, ok, bah écoute, je savais pas. Moi, je croyais que c'était une tolérance plutôt. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah très bien. Et bah, merci pour cette précision parce que. Enfin, en tout cas, c'est la merde là parce que. Pour circuler à Bordeaux, il n'y a pas trop de solution maintenant pour éviter les bouchons. Hein. Ouais, je dis une tolérance en phase de test, n'importe quoi, j'ai une grosse connerie en disant ça. Alors c'était. Ça avait été mis en test. Disons que les gens ont toujours pris ça pour un acquis, puisque avant que ça soit toléré, et les gens le faisaient quand même. Hein. C'est. Ils l'ont toujours fait. Bon, l'État avait mis ça en place là, en guise de test. Visiblement, ils en ont conclu, d'après les articles que j'ai vus, que ça n'est pas du tout concluant, alors qu'il a été constaté à côté de ça qu'il y a, dans l'ensemble du territoire français, et peu importe les véhicules, qu'il y a une large baisse des accidents. Bah oui, logique, hein, avec les mesures de confinement, couvre-feu et tout. Forcément, ça peut que faire baisser le nombre d'accidents. Mais bon, ils en ont quand même conclu que cette phase de test n'était pas concluante. Alors, sur quel critère? Moi, je serais curieux de voir ça, quoi. Ouais, c'est un peu comme ça, un peu sceptique sur le truc, hein. En fait, comme quoi, ils concluent qu'ils les arrangent, alors faut pas non plus s'inquiéter, ils font que ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. C'est comme les phases d'expérimentation de la rocade à 90, hein. Ils ont essayé de faire croire qu'ils allaient se faire chier à changer 42 km de panneaux juste pour l'été pour expérimenter. Non mais il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, quoi. Donc c'est bon. Voilà quoi, l'expérimentation, c'est juste pour mieux faire passer la vie, là, c'est rien d'autre que ça. Mais bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que en dehors de la vue des caméras, quoi qu'il y en a qui vont le faire quand même sur la rocade. Hein. Mais cela ferait bien de faire attention parce que de plus en plus de caméras maintenant peuvent servir de contrôle radar. Alors ça en Espagne ça se fait depuis longtemps. Hein. C'est et donc si chez nous ça se propage un peu plus. Attends, c'est vous que j'ai vu ça? Oui, c'est Avenue Thiers. Oui, Avenue Thiers, j'ai vu ça. Toutes les caméras qu'il y a font office de radar en même temps.
Ouais, super, génial. Donc, d'ici qu'ils fassent la même chose sur la rocade, ça n'en est pas loin. Et là, c'est clair que les remontées de fil, ça va devenir très très chiant. Ah mais moi c'est pareil, hein, quand je suis en moto, je faisais aussi des remontées de fil, mais uniquement dans les moments où ça roulait trop doucement, quoi. Et de mémoire, si je me souviens bien, il avait été dit que les remontées de fil étaient autorisées quand la vitesse descendait à 50 km/h et en dessous. Si je me souviens bien, c'est un truc comme ça. Alors que j'en ai quand même vu qui allaient franco alors que les voitures étaient quand même à 70, 80, 90 même. Ah, c'est clair, moi aussi j'en ai constaté comme ça. Et moi, quand à faire de la remontée de fil, je suis toujours autorisé, tout quand il y avait plus de 20 ou 30 km/h de différentiel, tu vois. Et pas au-dessus de 50, clairement, de compte, je suis pas assez à l'aise pour la route en deux pour faire mieux. Bon, j'arrive à destination, je vais devoir te laisser. Passe une bonne journée, j'ai l'impression que c'est en trop, là, je l'ai. En tout cas, ça va les bonnes amitiés. Et puis, je vais peut-être faire en présence. Voilà, je vais arriver au boulot. Ok, il me semble entendre Christophe qui est en QSO derrière. Si c'est bien lui, ouais, je reconnais là son Roger Beep multi-beep là, de son 9009. Il a l'air d'y aller plein pot de ce côté. Ok, oui, je suis en repos aujourd'hui. Je rattaque demain en nuit. Bonne journée à toi et merci pour ce petit QSO. Avec plaisir, merci à toi aussi. Et 73, je suis sur la route. Je suis dans les tifons. Allez, bye bye. Ok, merci, bye bye, bonne journée, merci pour les infos de la route. Attention Christophe, pour Dandy 33 qui t'appelle. Ouais, s'il y a du monde là, c'est lointain. Ah, ça passe plus. Tiens. Faut dire que je suis assez loin de tout. Tiens, par exemple, là, je suis à 50 km de Bordeaux. Ah, forcément, ceux qui sont en mobile du côté de Bordeaux, là, c'est un peu compliqué. Là. Thank you.
faut pas gueuler, c'est que j'ai rempli un ras la gueule vendredi avant de déposer, donc c'est un peu ça à faire. C'est misé, eux. Ils ont bien raison de voir les choses comme ça. Tellement de gens se prennent inutilement la tête pour les conneries. Il y a un moment où on prend toutes les camignettes et il y a un moment où on prend la droite, on va rattraper le train.
fonctionnait plus, ça tirait cette carrière, ouais, c'est bizarre. Bah écoute, si tu veux, c'est comme ça, et voilà. Bah oui, parce qu'on aurait déjà à Cavignac, là, à 3h32, pas loin de Cavignac, on aurait. De ce côté-là, normalement, il y a des convois exceptionnels. Et pas de mon côté, visiblement. Ah, il y a une femme dedans. Soit c'est... Ouais, si, c'est bien une voix féminine. Non, il n'y a pas de place pour viser là-bas. Écoute, je charge un femme de remplir, s'il te plaît, un tour. Seb 33, les 73, à toi, de la part de Dandy 33, du côté de Castillon-la-Bataille. Affirmatif, Dandy 33. Ok, donc je sais pas où tu es, j'ai énormément de mal à t'entendre. Bah tiens, je suis justement en train d'en faire une petite là en ce moment, à chier trois coups. Là, tu verras comment ça passe, là c'est assez compliqué là de mon côté là. Je sais pas où tu es du côté de Bordeaux j'imagine. Ah oui, d'accord, ok, ah bah ça va, j'ai compris. C'est la colline, il y a une espèce de colline là, entre toi et moi là qui fait barrage, donc voilà, c'est pour ça que ça passe pas mieux. Parce qu'effectivement, t'es pas très loin, mais bon, c'est vrai qu'elle a tout le côté est. Je suis sur Sainte-Colombe, mais en bas de Sainte-Colombe, là, dans le trou. Donc là, je suis complètement caché là de ce côté-là. Oui, oui, c'est ça, je suis au QRA. Je suis en repos aujourd'hui. Hachi ! C'est pour ça que j'en profite un peu, là. Ah, ok, t'as bien raison. Ben, écoute, en même temps, ben, moi, j'ai une antenne de 145. Et je voulais voir qui est passé, parce que je sais que la mienne, elle avait des problèmes, et je voulais voir qui t'a passé, mais ça passe, il n'y a pas de problème. Ah oui, ça passe, puisque là, en plus, là, je viens d'entendre là, quelqu'un un petit peu dans le lointain, mais il n'est pas passé par-dessus. Et pourtant, là, de mon côté, là, si j'en crois ce que j'ai vu, c'est un Santiago de 2. Et ouais, ça passe, ça marche. Hein. Ok, il n'y a pas de soucis, mais... Putain, 4 même. Là, en ce moment, c'est 4, le 19, là. J'ai essayé de voir sur le 10, là où tu pars avec les gens de Bordeaux, là, sur le 10... J'arrive pas à les attraper, moi, c'est mort, c'est pour la peine. Ah, toi, ça tourne autour, signal 3, 4. Ben, disons qu'il y a, aussi en même temps l'effet Covid-19, il y a tout ça qui sape bien tout, quoi. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Pourtant, toi, là depuis ce matin là que je suis devant le poste, j'entends du monde un peu partout. Là, derrière, ça gratouille un peu dans le lointain, il y a du monde. Un peu plus haut, là, c'est pareil, là, j'ai entendu du monde. Il y a pourtant un peu de monde un peu partout, quoi. Disons que toi, tu es au volant, donc c'est pas pratique, mais moi, là, au QRA, là, je navigue, là, sur les canaux, là, d'un bord de l'autre.
Et ça va, ça va. C'est un peu animé, mais bon, assez loin. Ouais, ouais, tout à fait, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, donc, je voulais savoir s'il est. Superstar 3000 et quelques, 3200, 3 ou 3900, ont la possibilité d'être augmenté en puissance ou pas. 3002, là je connais pas. Attends, je regarde vite fait. Super Star 3002. Il me parle pas celui-là en plus. Pourtant il existe. Non, je sais pas. Je préfère pas dire de conneries. Sur le 3009, oui, pour le 3009, ça y a pas de problème. C'est le 3002 qui m'interpelle. Ah oui, d'accord. Oh, génial. Je tombe sur, là, au niveau de Google, sur les pompes, genre... les pompes Adidas. Ah, j'y trois coups. On a mis des cons, c'est Google. Attends, alors, je vais mettre radio devant. Voilà. Ça devrait le faire un peu plus. Voilà. Le 3002, je trouve pas. Ah si, c'est quoi, ça? Ah ben si, pourtant, il existe. Mais il doit être assez rare en plus. Donc là, je peux rien te dire sur celui-là. Sur le 3009, ça oui, je sais, puisque j'en ai deux là qui sont rangés là de côté là, dans ce que j'appelle mon petit musée perso. J'ai trois coups. Et les 3009, oui, il n'y a pas de problème, ils sont débridables. Hein. Soit je fais des prix le mien, soit il faut que j'achète un tonton derrière. Parce que franchement, j'entends personne, enfin pratiquement personne, et je sais pas, ou alors ils sont trop loin, ou alors mon truc il est trop faible par rapport à. Ça, c'est un gros engin que j'ai, et normalement ça devrait taper fort, mais je sais pas, je comprends pas. D'accord, si, là j'ai compris. Tu sais, c'est comme la chaîne IFI que t'as chez toi. Tu peux avoir la meilleure chaîne IFI du monde, si derrière les enceintes sont pourries, ben t'auras que de la merde, hein, de toute façon, au niveau qualité son. Et là, au niveau poste, tu peux avoir le meilleur poste du monde. Si l'antenne n'est pas d'une haute qualité et en plus n'est pas fixée, c'est surtout ça, n'est pas fixée au meilleur endroit, c'est-à-dire pour toi au centre du toit, là, carrément sur le dessus, à venir taper dans les ponts, chier trois coups, c'est sûr que là, tu ne pourras pas avoir quelque chose de vraiment, vraiment efficace à 100%. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Ben, pourtant, l'antenne, elle est bien centrée, elle est au milieu. Après, j'ai les mails 145, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, les mails 145. C'est des bonnes antennes, mais ça a une toute petite puissance, quoi. C'est pas comme la Dakota qui fait 1200 watts, quoi. Voilà, là t'as tout dit. Voilà, c'est ça. Hein. C'est la MS-145 qui est une très bonne antenne, rapport qualité-prix. Mais prix, petit prix, donc le reste est un peu à l'avenant. Donc c'est sûr que par rapport au prix, ça reste une bonne antenne. Je vois, moi, sur la voiture, par exemple, j'ai une Wilson 5000. Elle coûte un bras, mais elle fonctionne très bien. Ah ouais, elle marche bien, parce que même quand il fait des vidéos, là... Des fois, je dis wow, il arrive à les attraper comment, alors qu'il a juste son TX là. Bon, après, tu dois avoir son ton qui vient un peu derrière aussi. Mais franchement, t'arrives à même à aller dans les pays étrangers et tout, c'est un truc de fou. Ah ouais, j'aimerais bien avoir un truc comme ça, moi. Alors, pour les pays étrangers, tout dépend de la propagation des ondes. Voilà, tout dépend, sans rentrer dans les détails, tout dépend de l'activité solaire, là, du côté des éruptions solaires. Donc c'est ça qui gère la portée des ondes. Mais autrement, là, quand c'est le creux, là, comme
comme là, la seconde même, là il est 10h30, c'est vrai que c'est assez le creux, là, de ce côté-là. Et là, c'est sûr que je ferai pas le tour du monde avec, même à la maison, à chier trois coups. Ah, tu m'étonnes, c'est sûr, ouais. Ouais, mais bon, t'as déjà une bonne poussée, et puis, je vois, la dernière fois, là, tu t'es calé sur le 31, t'as eu des Espagnols, je crois, ou des Portugais, là, enfin, il y avait un peu de tout, et t'arrivais bien à les attraper, là, enfin, avec quelques interférences que t'avais derrière, mais autrement, ouais, tu les entendais bien, on les entend bien, il n'y a pas de soucis. Ouais, c'est vrai. Là, effectivement, l'antenne y est pour beaucoup. Avant, j'avais une Santiago 1200 à la place, qui marchait très fort. Hein. Mais j'attrapais plus de QRM que la Wilson 5000. Donc, et en plus de ça, c'est la Wilson 5000. J'ai quand même gagné un point malgré tout en réception par rapport à la Santiago 1200, qui pourtant déjà est très bonne. Ah ouais, ok, d'accord. Ben, bien, impeccable. Oui, parce que un point, quand même, c'est quand même, ça paraît pas beaucoup comme ça, et pourtant c'est quand même énorme, puisque le jour où j'ai fait le test, eh bien, c'est le jour où j'ai installé la Santiago, mais là, la Wilson 5000 dessus. Alors je me suis mis sur le parking du Leclerc, là, de Saint-Maine de Castillon. Alors je m'étais mis vers le front du parking, là où il y a personne. C'était un soir pas loin de la fermeture. Et en descendant sur les canaux, j'étais tombé sur une balise, mais une balise fixe. Donc j'ai pris une photo justement là de la balise, comment elle m'arrivait avec la Santiago 1200. J'ai aussitôt mis la Wilson 5000 dessus, j'ai de suite pris une photo, et quand je regardais après, j'ai vu qu'effectivement là j'avais gagné un point quand même. Alors je me suis dit ok, adopté. C'est ça, mais là, je suis à... Là, tu dois m'entendre beaucoup mieux, là, j'arrive à... Je suis à Castillon, là, en fait, Castillon, au feu, là. Normalement, là, ça devrait aller mieux, là. Ouais, dans le trou de Castillon, c'est un Santiago 5. Et dès que tu vas commencer à t'éloigner un peu, là, en allant vers le Leclerc, alors là, ça va être plein pot. Affirmatif. Ouais, dans le trou de Castillon, là où tu es, c'est vrai que j'ai remarqué ça, comme ça, au niveau local, c'est toujours assez compliqué de ce côté-là, et en plus, il y a pas mal de QRM. Et à propos de Propag, ça me rappelle, il y a quelques années, sur le 19, justement, j'étais avec l'YL dans la voiture et tout, ça, et j'allais plus, j'étais justement en feu, et je venais de tourner pour aller plus là dans le centre. Et j'entends quelqu'un lancer appel dessus avec un fort accent. Et bon, je lui réponds et tout. Et là, comme quoi, là, au niveau propagation, là, ça allait vraiment fort. Et bien, c'est la Belgique qui lançait appel là, sur le 19. Donc, on a parlé comme ça quelques instants. Là, et là la propagation là, était vraiment forte. Là. Ah ouais, carrément, la Belgique, waouh, mais c'est un fou, hein, c'est... Mais des fois, moi, je reçois des appels, je pense que c'est ça, ça doit être la Belgique, les pays étrangers, ça ne dure pas longtemps, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est la propagation, là, qui fait son effet. Et là, en plus, on est dans le sens de la montée, là, au niveau propag. Donc on peut s'attendre à avoir un peu de, par moment, de la cacophonie là sur le 19 et partout ailleurs sur la bande d'ailleurs. Ouais. Et en plus là, normalement, tu devrais souvent avoir un gars là qui... Bon, après, c'est le gars qui m'a vendu des civils, il m'a vendu un GFK, il m'a vendu un Superstar 3000, et le gars, il est de... du côté de après Bergerac, vers le côté gauche de Bergerac. Ah, je connais pas, tu m'arrives à Santiago 8 par moment, là t'es pas loin. Ah, je suis au deuxième feu, là où il y a le Lidl. Ah, c'est redescendu à Santiago 6. D'accord, ouais, je vois très bien. C'est une boutique dont tu parles, ou un particulier? Il a un fixe et tout, en
il y a un poste fixe, il n'y a pas de mobile. Mais il marche bien, on est aussi bien, il marche fort. Mais des fois, une fois quand j'avais été là-bas, je l'avais entendu depuis son poste. C'est un truc de fou, j'arriverai jamais à faire un truc pareil, moi. Alors, faut pas dire ça, tout dépend de l'installation, tout dépend du moment aussi, parce que c'est comme là chez moi, j'ai l'antenne qui est à 9 mètres de haut, l'antenne que j'ai dessus, c'est une antenne qui doit faire dans les 7 mètres 50, donc à rajouter au-dessus des 9 mètres, ça paraît quand même dans le paysage. Eh bien, toutes les stations qui sont du côté est, du côté nord, tout ça, eh bien, je les entends pas. Tout ça parce que je suis caché par par cette espèce de colline qui fait le tour de chez moi, quoi. C'est la colline de Saint-Maine de Castillon, là, qui m'entoure complètement, qui part vers Saint-Émilion. Donc, au niveau local, tout ça, c'est des stations que j'arrive pas à entendre. Côté nord, du côté de Ribérac, par là, je sais qu'il y a Pamela, il y a pas mal de monde de ce côté-là. Ben, pour les entendre, il faut que je sois que je sois en voiture et sorti d'ici, quoi. Au QRA, ça passe ou et ça passe pas ou juste à peine. Ah ouais, d'accord, c'est ce fameux colline-là qui te fait ça. Ok, il n'y a pas de soucis. Mais écoute. Moi, je suis arrivé à Castillon, je vais aller faire un tour par là, et puis j'étais sur la fréquence tout à l'heure, on essaye de se reparler, il n'y a pas de souci. Ok, t'es en push ou en mille pattes? En push. Et moi qui te prenais pour un mille pattes? D'accord, ok, ben, je comprends pour l'antenne sur le toit. D'accord, eh bien il n'y a pas de problème, hein. Je reste dessus. Là, de toute façon, là, je suis occupé en même temps là sur le forum. J'ai la station qui est juste à côté, pas de problème. Je reste dessus, donc à tout à l'heure, à moins que, sinon à la prochaine. Les 73, à tout à l'heure ou à plus. Ok, les 73 à toi, à tout à l'heure ou à plus aussi. Qui a dit qu'il n'y avait pas de mobile? Eh bien, encore un de plus. Voilà. Si, il y a des mobiles. Il y a du monde en mobile. Sauf que, ça dépend des... On n'est pas tous dessus au même moment, quoi. Ah, tiens, il y a quelque chose, là. Oui, la station avec la Roger Beep. Oui, la 73, la station, c'est tout petit, là, de mon côté, là, de la part de Dandy 33, à côté de Saint-Magne de Castillon. Libourne, Saint-Médard de Guisière, d'accord, je vois, oh, c'est pas très loin. Ouais, mais là, j'ai du mal à sortir, là, de mon côté, là. C'est, je sais pas comment tu es installé de ton côté, mais là ça a vraiment du mal à passer là par ici. Hein. Ok, reçu, l'antenne derrière la cabine, ok, d'accord, ok. Alors je chercherai pas plus loin, c'est normal. Alors là, je sais pas où tu es en train de passer, mais j'étais complètement perdu là sur la fin. C'est pas grave, je suppose que tu as dû arriver chez ton client. Les bonnes 113-51 à toi et bonne journée. Et puis si je te rentre à nouveau, pas de problème. Là, je suis en fixe là de sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Maine de Castillon, là, mais dans la partie basse. Alors j'ai entendu gazouiller un petit peu dans le lointain, mais j'ai absolument rien compris du tout. Hein. Je veux pas te faire répéter, ça servira à rien tellement que c'est faible là de mon côté. Mais en tout cas, ça fonctionne, pas de problème. Bonne journée à toi. Ah, il suffit de prendre le micro. Tout simplement. Il n'y a pas de secret.
Oui, la station qui vient de lancer appel. Ok, 7351, la station de la part de Dandy 33 à côté de Castillon-la-Bataille. Ah ok, mais je pas mal. Je croyais que c'était avec le Roger Beep, multi-beep, comme ça je croyais que c'était un copain qui doit avoir, je suppose, le même poste. Mais le Roger Beep est le même en tout cas. Je suis trois coups, je croyais que c'était lui. C'est pour ça qu'avant ça j'appelais Christophe, mais en fin de compte non, c'était pas lui. Le 11 FM. Ok, c'est parti. Le 11 085. Oui, voilà. Alors, que je me trompe pas, 11 FM. Ouais, 27 085. C'est bon, je suis dessus. Pas de problème, moi aussi. Ça fait longtemps. Ah oui. Oui, oui, je t'entends tout aussi bien qu'on aime. J'avais énormément de QRM, en fait, je pense que ça vient ou de la météo ou de la zone qui est à côté de moi. Je suis en site sur une petite installation à hauteur de l'échangeur 5 sur la RN 89 entre Dijon et Bordeaux. Ok, ben c'est à Saint-Thiago, allez, 2 voire 3 même. Ouais, radio 4. Ben, je ne mettrai pas plus en radio parce que c'est vrai que le signal est quand même assez petit. Mais ça marche, je pensais pas qu'il y avait une station là de ce côté-ci. Quoi. Mais écoute, j'ai modulé en mobile pendant on ne compte plus les années sous Iseno 33. Je suis en fait parce que retraite et que j'ai désécouté la voiture. Zulu 33? Mais attends, hé! Il y a combien de Zulu 33 sur le 33? Ah, d'accord, j'ai mal compris, ok, désolé. Pas de soucis, il n'y a pas de problème. J'ai bien compris que c'est sur Castillon. Alors, je suis plus précisément sur Sainte-Colombe, à côté de Saint-Maine de Castillon. Alors, je suis à quoi? Je suis à 5 km de Castillon-la-Bataille. 5 km un peu plus vers le nord. Je connais, t'inquiète pas, ma mère est native de Montdieu-Sylvie-Martin. Ok, d'accord. Là, je suis dans la partie basse là, de Sainte-Colombe. Oui, mais c'est pas mal, parce que moi je suis plutôt dans un trou, et toi, quand je suis en bas de Sainte-Colombe, je trouve que c'est pas mal vu l'installation que j'ai faite. D'accord, mais l'échangeur 5, c'est la sortie quoi? Là, ça me dit pas grand-chose, là, là où c'est qu'il est, là, le 5. Est-ce que tu as l'habitude de rouler? Ah bah je vais assez souvent sur Bordeaux, oui. La 5, c'est la sortie Caillot, de Béchette et Caillot, là où tu as la grande zone, la nouvelle zone qui date maintenant de 5-6 ans, où tu as toutes les grosses entreprises. Ok, d'accord, et pas loin, il y a la station essence. Voilà, la station essence est entre la 6 et la 5. Ok, d'accord, donc sur la ligne droite. D'accord, ok, dans ces coins. Enfin bon, on va pas être plus précis. D'accord, ok, je vois. Ah oui, ça fait un bout de route quand même. Ah oui, d'autant que je te dis, moi c'est juste. Bon, c'est pas un mauvais appareil parce que c'est un 7009 certé, mais le problème c'est que j'ai pas d'antenne. Alors, donc j'ai mis une Sirtel 160 sur un mât et je suis fait mon propre plan de match. A priori, ça passe un peu. Ah oui, 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 ça marche bien quand même, hein. Puis le 7009, c'est quand même un bon poste, hein. Ah oui, oui, il marche bien le 7009, ça c'est sûr. Et donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à monter une vraie antenne de fixe. Voilà, c'est le prochain budget. Oh, surtout que maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, le matériel CB coûte quand même moins cher par rapport à ce que c'était autrefois. Absolument, moi je sais que je m'en dis depuis 92,
j'ai eu du matériel, j'avais un Johnson, un Jackson, pardon, de chez Président, et après je suis passé sur celui sur le 4-9, parce que l'autre, il n'en pouvait plus, le pauvre. D'accord, ok. Eh bien, en tout cas, ouais, donc là, ça fait pas longtemps que tu fais ton retour. Pour ma part, je suis sur la CB depuis 1982. Bon, c'est juste quelques jours avant, quoi. Ah oui, 10 ans, c'est pas mal. Oui. Non, mais en fait, c'est simplement que mon pro a changé et que je me suis mis sur la route parce que je suis quelqu'un du tertiaire qui travaille dans un bureau et je faisais entre 1500 et 2000 km par semaine. Oui, bon, ça... Les voyages forment la jeunesse. Oui, comme on dit, ça déforme les valises, oui. Omar, je vois moi mon YN, déjà rien qu'elle pour juste l'aller-retour au boulot, c'est 500 km par semaine. Juste que ça, quoi. Donc à côté, faut bien aller faire les courses, faut bien aller de temps en temps dans la famille, ceci, cela. Donc ouais, ça chiffre vite. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et puis, le fait d'avoir pris la retraite il y a 5 ans, c'est vrai que ça a pas mal... je dirais que ça m'a plutôt libéré, parce que c'est vrai que le dos, à force, c'est pénible. Ah, et puis, ouais, c'est vrai que tout dépend si, en plus, tu étais en voiture ou en mille pattes. Ah, je m'occupais d'une équipe de maintenance pour une mutuelle de Bordeaux, et on était sur des voitures commerciales, parce qu'on avait que deux sièges et on avait du matériel dedans. Ah, je comprends bien. D'accord, ouais, effectivement, là, le confort n'est pas la priorité. Ah que non, je te confirme. Je vois le truc. Une planche assise dessus. Bon, mais écoute, ton QRZ, c'est quoi? Ok, ben mon QRZ c'est Dandy 33, comme Crocodile Dandy, pareil, sauf qu'à la place du croco, tu mets 33, et voilà, t'as mon QRZ, Dandy 33. Et si t'en veux un peu plus, eh ben du côté internet, j'ai un gros forum, la planète CB francophone. Voilà, j'ai plus une chaîne YouTube, plus un groupe sur Facebook. Plus présent sur d'autres forums, plus, voilà. Voilà, en gros, pour la petite présentation. Eh bien, dis donc, très occupé. Moi, c'est vrai que j'ai un compte Facebook que je regarde chaque fois qu'il me tombe un œil, c'est-à-dire pas souvent. Et puis, YouTube, je disais, mais je ne suis pas... J'ai ouvert un compte, mais je ne suis pas... Ok, ben déjà au niveau matériel, si tu veux en voir et en savoir plus les boutiques, ainsi de suite. Donc pas de problème, viens faire un tour sur le forum La Planète CB francophone. Pour les boutiques, j'en ai listé plein de dessus. Attends que je t'en donne une comme ça, tac, vite fait, là, à l'arrache. Qui vient justement là, il y a une boutique informatique là au nord-est de Bordeaux qui vu tout ça a décidé de se faire un rayon CB. Voilà, c'est Helpwin PC qui se trouve à Carbon Blanc, voilà, dans le centre de Carbon Blanc. Voilà, pour le plus près, voilà, tu as lui. Et sinon, tu as SAV Radio 33 qui est sur Martinez-sur-Jal. Voilà, qui lui fait la totale. Enfin, quand je dis la totale, vente et dépannage, vente CB et dépannage toute radio. Quoi. Alors, je vais te dire, eh bien, le 7-9 vient de chez Christophe, la ville qui est devant, elle vient de chez Christophe. Il n'y a que l'antenne qui vient pas de chez Christophe parce que j'avais plus de sous à ce moment-là. Bon, en tout cas, si tu veux te documenter, il n'y a pas de souci. tu peux venir faire un tour de ce côté-ci. Eh ben, Christophe me connaît très bien. D'ailleurs, il faudra que j'aille le voir pour voir s'il a toujours là, des cartes de visite. Euh,
Moi, je sais que tu m'en avais laissé une, parce que bon, ça fait pas très longtemps que je le connais, tout ça, parce que je me suis remis petit il y a 3 ans après, sur le truc. C'est à peu près par là que je l'ai connu, en le contactant par internet, parce que je voulais savoir si mon Jackson était réparable ou pas. Quand je lui ai amené, il m'a dit oui, il est réparable, mais il me dit le 7009, c'est moins cher que la réparation de ton Jackson. Donc la décision a été prise. Ah bah oui. Ouais, ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, que, ben voilà, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est le prix du matériel aujourd'hui est nettement inférieur par rapport à avant. Et pourtant, c'est vrai quand je vois certains messages, ah c'est cher, ah, c'est cher, ah, c'est cher. Ben oui, mais regardez avant, ça l'était encore beaucoup plus. Non, c'est parce que les gens qui se disent assez cher, c'est que souvent ils vont pas vraiment regarder ce qui se fait et à quel prix. Ça, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux du tout, même. Bon, mais tu sais pas, je crois que je vais continuer à bricoler parce que je suis en train de découper des planches. Donc, tant que la pluie s'est calmée, je vais en profiter. Eh bien, t'as raison. Alors, je vais te laisser. Le soir, à partir des environs de 18h, quoique peut-être sur la journée aussi, t'as du monde en FM. Sur le canal 30, canal 32. Voilà, 30, 32, là tu vas trouver du monde en FM. Ah, mais c'est gentil, il faut que j'y reste un tour quand. Oui, pas de problème. Voilà, je vais te laisser aller bricoler avant que la prochaine averse arrive. Les soins 13:51 à toi, et puis vu l'heure, 11h25. Bon gastro pour tout à l'heure. Ok, bonne journée à toi, à bientôt. Merci, bonne journée. Et bien voilà qui est bien. Par contre, désolé pour le canal, le 11 FM. Ah, il y a du monde. Ouais, ça peut pas être trop loin. Ah, là aussi, on a entendu un Roger Beep. Je me suis arrêté au hasard, là il y a du monde. Ah, là aussi on entend du monde. Ben, c'est une affaire qui marche tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, je suis loin de Bordeaux et tout ça, donc de moi, en ce qui me concerne, ça m'aide pas trop. Quoi. Mais ça fait rien. On voit bien qu'il y a quand même du monde, et ça c'est du positif. Donc les camping-caristes, les mille pattes, tous ceux qui sont en voiture de ça, eh ben n'hésitez pas. Il y a de la place pour tout le monde. Tiens, on va faire un petit tour plus haut. À monter au premier étage. Non. 11h25, la propagation n'est pas là. Comme elle peut arriver dans 5 minutes, hein, ou peut-être même avant. Des fois, le temps de le dire, paf, ça y est, elle est là. Il y a une vague qui nous arrive, tac, et puis c'est là qu'il faut en profiter. Mais là, c'est pas le cas, donc je vois pas l'intérêt de rester là-haut. Alors qu'il y a du monde de ce côté-ci. Attention à la station, là, qui a lancé appel pour un essai. Bon, ben, c'est pas grave, bonne journée à toi si tu arrives à m'entendre, mais j'ai pas l'impression. Oui, affirmatif, c'est à toi que je parle. Ok, c'est pas grave. Ça fonctionne pour l'essai, il n'y a aucun problème. Les 73-51 de Dundee 33 du côté de Castillon-la-Bataille. Allez, 33,
Ah, c'est très 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 compliqué de mon côté aussi, c'est vraiment tout petit. Tu es visiblement très très loin. Affirmatif, c'est ça, c'est toujours ça de positif. Il n'y a pas de problème. Les 913-51, bonne journée. Black Jet, si j'ai bien compris, c'est vraiment compliqué de mon côté. Mais bon, en tout cas, la station fonctionne, il n'y a pas de souci. Oui, je suis toujours là. Ben moi aussi, ça y est. Eh ben, je me suis pas ennuyé, tu vois, là, tout à l'heure, là, j'ai eu plusieurs stations, dont un QSO, là, qu'on a fait en FM. Voilà, j'ai une station là du côté de la Nationale 89, voilà, avec qui on a basculé en FM. J'ai une autre station après en suivant là, ici sur le 19 qui m'est arrivée très très QRP. Hein. Bon ben là on n'a pas pu faire QSO, mais bon on s'est entendu, c'est toujours ça de prix, HI 3 coups. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bon, j'ai encore entendu d'autres stations un peu à droite, à gauche, là, comme ça. Hein. Si, tiens, j'ai entendu Pamela, là, il y a juste quelques minutes. Hein. Tout à l'heure, je sais plus si c'était avec toi ou avec quelqu'un d'autre. Si, avec toi, je disais que là, il faut moins qu'il y ait un petit peu de propague, là, pour que ça passe, pour que j'arrive à l'entendre. Là, elle est bien passée, là, ce coup-ci, là, aujourd'hui, là, tout à l'heure. Affirmable, mais là pour l'instant j'entends que toi, il y a que toi, pour moi j'ai pas de propagation, j'ai rien, là, même pas de grésillement, ni de bip, rien, que dalle, j'ai que des grésillements, comme s'il y avait personne quoi. Eh bien là, la seconde même, je confirme aussi de mon côté, justement, c'est pour ça que j'ai tardé un petit peu avant de reprendre le micro. C'est retombé au calme. Ouais, c'est un peu retombé. Là où je me mets souvent, c'est quand je suis du côté de chez moi, là, du côté de Véline, là je me mets sur le 22, il y a les stations de la carrière de la motte là qui parlent, je les écoute souvent. Sur le 22, tiens, je croyais que c'était eux qui étaient sur le 15. Non, ils sont sur le 22, la carrière de la motte. Après, peut-être que quand ils sortent de la carrière, ils se mettent sur le 15, mais autrement, quand ils parlent entre eux, au niveau de la carrière, c'est sur le 22. Ah, d'accord, ok. Voilà, ben, de temps en temps, j'écoute les gens, mais là, il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, sur le 19, en ce moment, c'est un peu mort. Hein. Ben, pourtant... Oui, non, mais c'est vrai que là, ça dépend où on est, ceci, cela, ça dépend de l'installation, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Parce que là, aujourd'hui, je suis en repos. Depuis ce matin, là, ça n'arrête pas. C'est, je vais à droite, à gauche, ainsi de suite, ça n'arrête pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, mais faut dire aussi que, bon, t'as du bon matériel, et puis j'ai vu la base que t'as chez toi, ouais, ça doit bien marcher. En plus, avec l'antenne en fixe que t'as... ouais, ça, tu devrais bien attraper là. Normalement, tu devrais avoir du monde. Là. Mais moi, avec mon petit poste là, mon petit truc et ma petite antenne, ben, j'attrape pas beaucoup de monde. Il faudrait que je change juste l'antenne pour avoir un peu plus de monde. Là, peut-être que ça marcherait mieux. Ouais, effectivement, déjà, oui. Et puis bon, t'es qu'en mobile là, si j'ai bien compris. Donc tu passes pas ta vie non plus dans le mobile. Donc c'est juste du ponctuel comme ça. Et puis forcément, ça colle pas avec les autres quand ils sont en fréquence. Parce que là, j'ai pendant tout le temps là que depuis tout à l'heure que t'étais absent. Effectivement, là, j'ai fait le tour des canaux, ceci, cela, ça, tac. J'ai attrapé du monde. Et là, la seconde même, comme par hasard, c'est retombé à plat, quoi. c'est des coïncidences comme ça, quoi. Et forcément, ça donne l'impression qu'il n'y a personne. C'est ça. Et dis-moi,
J'ai vu sur une vidéo que tu as fait avec un, je pense que c'est un collègue de Sibi à toi là. Est-ce que tu aurais des antennes toi performantes à vendre en trop ou pas? J'en ai jamais en trop. Non. Non, sérieusement, je les garde. Affirmatif, ok. D'accord, ben voilà, c'était une question. Parce que je sais que des fois, dans les gens, des civistes qu'ils ont des antennes, des fois ils les vendent parce que ben ils n'en servent plus ou alors ils en ont plus d'utilité. Puis voilà, c'était juste pour savoir. Écoute, je vais essayer de me renseigner avec le biais des ventes sur Facebook. Là, il y en a beaucoup qui en vendent des antennes. Alors je vais voir avec eux s'il y a une antenne assez performante pour que je puisse changer la mienne. Parce que clairement, mon MS145, elle est bien, elle est. Mais je dirais que les MS145, oui, effectivement, elles sont très bien. Mais perso, je destine plus à, on va dire, aux mille pattes, comme ceux qui vont travailler en carrière, tout ça. Où là, bah, tu t'en fous qu'elles prennent des pets et ainsi de suite. Parce que bon, déjà, ça va qu'elles sont assez résistantes et elles coûtent vraiment pas cher. Et ils ont quand même quelque chose de correct pour ce qu'ils en font, quoi. Contrairement à des fois, j'en vois certains là qui ont des antennes, là qui font quoi, qui font 30 cm et qui viennent se plaindre que ça passe pas, quoi, que ça marche pas. Enfin, 30 cm d'antenne cachée derrière la cabine quand même. Une fois comme ça, j'en ai eu un. J'ai eu le temps de faire quoi, peut-être 1,5 km, 2 km que je le perdais déjà, quoi. Mais là, j'hallucine, quoi. J'étais vert, quoi. Et le coup d'après, quand je l'ai eu, je lui ai demandé ce qu'il avait comme installation, et il m'a raconté, et il a insisté sur le fait qu'il avait un bon poste, un JFK. Bon, soit, d'accord, mais côté antenne, il était complètement à la ramasse. Mais ça, c'est pas le meilleur que j'ai vu. Une fois, là, c'est au pro, j'étais en train de m'occuper justement là, d'un mille pattes. Et le réflexe habituel, je regarde derrière la cabine, et là, le mec, il avait une Santiago 1200. Jusque-là, ok, tout va très bien, mais posé horizontalement. Ah, je me suis dit, là, qu'est-ce que je fais? Je prends une photo, je fais quoi? Parce que alors là, il y avait de l'anecdote, là. Je lui ai dit qu'il y a un souci là, avec son antenne, pour le coup, j'ai rien dit, quoi. Je me suis dit, je vais prendre un fou rire. Dès que je vais ouvrir la bouche, ça va pas le faire. Je lui ai indiqué où il devait aller vider, et puis ça s'est arrêté là. Ouais, clairement. Moi, j'en vois beaucoup des mille pattes là où l'antenne, justement, tu la vois derrière la cabine, et puis après les mecs ils se plaignent parce qu'elle passe pas. Moi, mon père, il était en mille pattes, je parle de ça il y a longtemps. Il était en mille pattes, il avait une casquette sur le toit. Il a été obligé de percer la casquette, faire passer le brin de l'antenne dedans, de la mettre cimentée sur le toit de la cabine. Ah, il me dit là, franchement, ça n'a rien à voir. Hein. Il me dit, les mecs, ils mettent les antennes n'importe où, n'importe comment, et après ils pleurent parce que ils n'attrapent pas de monde. Ben, c'est normal, hein. L'antenne, elle est mal placée, alors au bout d'un moment, ça fait quoi? Mais ça fait coupure, hein. Oui, voilà. Disons que les mecs, ils voient que le côté pratique esthétique. C'est-à-dire, le côté pratique, c'est vrai que l'antenne mise derrière la cabine, quand ils passent le camion au lavage, eh bien, il n'y a rien qui touche, puisque tout est ramassé, tout est caché. Le côté esthétique, évidemment, pour le coup, tu vois plus d'antenne. Mais je sais pas, moi, perso, quand je vois les camions américains avec leurs doubles antennes sur le rétro, ben, je trouve que ça a de la gueule. Ça va vraiment dans le style du camion, ceci, cela, quoi. Mais bon, eux, voient pas ça comme ça, quoi. Bon, une fois, j'en ai attrapé un, là, du côté de Bordeaux. Bon, on se croise et tout. Le mec, il a une paire de doubles antennes.
Je lui dis comme ça, elles sont sympas là, tes doubles antennes. Et là, il me répond, mais c'est pas avec celle-là que je module, c'est avec l'autre qui est derrière la cabine. Ah, je me suis dit, ben, quel est l'intérêt, quoi. Du coup, il se retrouve avec trois antennes de CB, et la seule fonctionnelle, c'est celle qui est cachée derrière la cabine. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, en fait, il a deux antennes, il a deux doubles antennes, et la seule antenne qui se sert, c'est celle qui est cachée derrière. Ouais, j'avoue, c'est pas mal aussi, ça. Ça fait que ça aussi, c'est... Ben oui, et en plus, ça c'est, ouais, à ce moment-là, j'allais assez souvent bosser là du côté de Blanquefort ou Mérignac, là, dans ces coins-là, et je me souviens une fois, comme ça, je l'attrape, ah oui, j'étais rendu là, du côté du karting, là, à Bordeaux-Lac, karting centre routier, là, dans ces coins-là, je l'attrape, il me dit, ah, j'ai monté un ampli et tout, ça, ça passe beaucoup mieux, ouais. Et je sais plus ce que c'était comme ampli. Je crois qu'il devait sortir une quarantaine de watts, quelque chose comme ça en AM, si de mémoire. Enfin, ça date d'il y a quelques années, mais je crois que c'est ça. Et là, il me dit comme ça, j'arrive maintenant à porter à 15 km. Ah ben, je m'essaye là. Je lui dis, t'es sûr de toi? Je dis, parce que moi, déjà, moi, là, au niveau de la voiture... ça passe quand même plus loin que ça, quoi. C'est 15 km, c'est un petit peu court là. C'est quand je coupe tout, même la puissance du poste là, je crois coup. Puisque ouais, tiens, petite anecdote. Une fois comme ça, ouais, j'avais le 3009 la voiture, donc juste la puissance du poste. J'arrivais sur Saint-Pédarment. J'étais toujours en QSO avec une station là, ben, sur le 19 en AM, qui lui était en fixe du côté de Saint-André-de-Cutzac, un petit peu plus au nord, là, sur la 137. Là, il y a quand même plus que 15 km. Hein. Il m'entendait encore. Hein. Ah ouais, sûrement, toi, ben oui. Voilà, là t'es rendu assez loin de mon côté, là t'es parti plein est, là par rapport à moi. Là, sur la fin, j'ai commencé à te perdre, mais vraiment complètement, puisque les derniers mots, j'ai pas réussi à comprendre ce que tu me disais. Bon, pendant que toi, tu arrives encore à m'entendre, ben, je vais t'envoyer les bonnes sur 1351. Merci pour ce petit QSO, et je te dis à la prochaine en fréquence. Ok, ça marche. Ah, ça remonte. Ok, merci, c'est super. Oui, tu vas voir, putain, celle-là, elle est grosse, là, pour le coup. Je m'attendais à faire un petit truc. Arrivé là, ça va être une grosse vidéo. Pas de problème. Ben, là, toi, là, ça... là où tu es passé, là, ça a été super. Ça a remonté un petit peu, ce qui a permis de pouvoir s'envoyer des 2731 correctement. Ouais, je m'occupe de ça. Là, je vais arrêter là pour ce matin, parce que sinon, là, pour le coup, au bout du compte, je vais me retrouver avec 3 heures. Déjà, là, je pense que je dois pas être loin des 50 minutes ou quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, je sais pas. Je vais bien voir ça au montage. Ok, merci. Il est midi moins 5. Bon gastro, à la prochaine. Ok, bon gastro, à la prochaine. Bye bye. Merci, bye bye.